d'être Mike Brunswick, mon président préféré. On dit qu'un. L'arbitre, Rodolphe. Voilà. Vous pouvez, merci, c'est gentil. C'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, hein, mais j'ai vraiment envie de crier. J'ai vraiment envie de crier, mais pas après vous, parce que vous êtes là, vous. Au secours, moi qui ai connu le bowling de Paris avec un risque de prix avec 300 personnes, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à faire de parler comme un vieux. Je parle comme quelqu'un qui a vécu quelque chose d'extraordinaire dans le monde du bowling, ça se casse la gueule. Et alors là, ça m'énerve. Conclusion, Bernard plus jeune, il remettra la main au panier l'année prochaine. Et moi, certainement plus. Bravo. Alors donc, ça, c'est très, très énervant. C'était un coup de gueule. Il n'y a jamais quelque chose. Là, j'ai un coup de gueule, vraiment, là. Vous pouvez lever sur le front, vous pouvez le dire. Vraiment, je suis en colère, comme c'est pas possible. T'as bien raison. Jamais ça va bien. Il y a toujours quelque chose qui déconne. Là, si ça continue, mais grâce à ce que je vais dire, peut-être qu'on ne va pas le dire, il y en a encore qui gueulent parce que c'est deux nanas en finale. Ok, ouais. Alors là, moi, je vais vous dire un truc. Deux nanas en finale, d'abord, c'est la première fois. Ouais. Bravo, les filles. Ouais, c'est vrai. Mais je vais vous dire, moi j'ai été faire un petit historique parce que ma mémoire, elle est une mémoire tampon qui ne remonte pas trop loin parce que je fais trop de remises de prix et donc j'ai été chercher un peu. L'année dernière, c'est notre ami Jean-Marc qui a gagné, mais lui il commençait, heureusement qu'il a perdu cette année parce qu'il n'a plus de place pour mettre les trophées. Bon. Il a gagné l'année dernière, Jean-Marc. Le deuxième c'est Sarvati. J'ai pas de mémoire, j'ai marre. Le troisième c'était Pujol et Cayez. Et cinquième ex aequo, c'était Aquin, Glorieux, Sacro Thierry et Franchi. Il n'y a pas une nana. Et il n'y avait qu'une fille en huitième de Laurence Pivet. Il y a deux ans, c'était Jean-Marc Lebon, encore lui, quand même, qui gagne. Devant Pujol, c'est pas une fille. Bravez, c'est lui. Tessier non plus. Et enfin, il y avait déjà Isabelle, en quart de finale, une fille. Et une autre en huitième. Et après, on va nous dire que les nanas, elles sont tranquilles. Je suis bien content qu'il y en ait deux cette année en finale. Ouais, bien. Alors maintenant, d'habitude, je fais toujours une remise de paix en commençant par la première, mais cette année, je vais les garder pour la fin, le meilleur. Allez hop, troisième et quatrième. Non, j'ai pas fini. J'oubliais, du coup, je suis tellement en colère, j'oubliais de passer la parole à mon président. Bernard. Là, on passera. Passe aux joueurs d'abord, un petit mot à leur dire. Tu es troisième, je sais plus qui c'est. Si. Si. François Sacco. Et Jean-Marc Lebon. Allez, faites du bruit là. François Sacco, de l'excellent club du BCO pour Bordeaux. Hein. J'ai pas calculé les moyennes, enfin j'ai pas calculé. C'est très difficile de calculer toutes les moyennes, mais je peux vous dire, j'ai eu un vrai de la personne. C'est très très haut. Jean-Marc, vous l'avez entendu, hein, grâce à vos coups de gueule, vous avez su qu'il y avait là, il y a deux ans. Il va pouvoir mettre la petite coupe à côté. Ça fait bizarre, hein, deux grands et petits. Enfin, bon. Bravo Jean-Marc, vous l'applaudissez. Et François aussi, François Sacco, bravo. C'est très fort, Marie Macon. Du Lille Université de... Pas du BCO. Lille Université de... Bravo Marie. C'est vous Isabelle, je vais vous dire si vous voyez là-haut, qu'est-ce qui va être content là. Isabelle, ça vient. Bravo Isabelle, du BCO de Bordeaux. Bravo Mazarine. Bravo, bravo. Bravo. Bravo Isabelle, bravo. Je vous ai dit tout à l'heure, je n'avais pas bien regardé. Peut-être Isabelle passée comme ça lui fait. Je crois que c'est plus 200 en moyenne. Ouais, c'est vraiment. Bonjour et toutes les serveuses, les serveurs, les gens à l'accueil, qui a l'inscription. Pour le nouveau master seront ouvertes le 16 juillet. Et bien sûr, si vous pouvez déjà m'envoyer pour ceux qui sont dans les finalistes et les habitués, vous connaissez l'adresse, vous avez différents moyens de m'occuper. Et il n'y a pas de souci, je vais assurer la transition pour la prochaine équipe qui sera élue. Une minute de silence, bien sûr, mais
je crois qu'on est tous un petit peu avec lui aujourd'hui. Et c'est très intéressant que sur le podium, certains de ces élèves, de ceux qui ont reconnu, sont présents. C'était l'histoire qui a dit finalement. Très bien. Merci à vous. Oh,